chef, sinon on peut pas avoir la mission. Merci. J'en ai aussi des petites missions là qu'on va faire. Je crois qu'on a tous des missions à la con à faire. Toujours. Camp 11. Oui, parce que le bouclier est juste à côté, le conseiller est passé à 6. Je mange. Bah, de toute façon, faut attendre, toi, faut que t'attendes le début. Non. Ah, tu peux directement rentrer là? Ouais. Bah, nickel. Ah, oui, parce que vous, on l'avait vu. Et bientôt fini, j'arrive. Tu veux continuer au centre ou tu veux faire des lecteurs après? Toute façon, je... Tommy il va s'en aller tout à l'heure, il va aller voir son un ami. Donc il n'y a pas de soucis. Hein. Moi je ne suis pas à l'aise. Enfin. Donc on fera après. Tu pourras faire une coude. Donc prends ton temps, Sora. Je vais juste me faire des pièges, en attendant vite fait. Juste me prendre de quoi faire des pièges. Faut le rincer. Ah mais purée, ça sert à rien. J'ai pas de quoi faire dodo les monstres, donc ça sert à rien. T'as pas de tranquille? Non, j'ai pas de tranquille. Bah non, parce que... Ça y est. Pourquoi tu veux le capturer? Pour faire plus de points. Enfin, pour avoir plus de stuff. Pour le tuer. Ah oui, c'est tuer. Non, c'est marqué chasse, c'est pas marqué tuer. Bah, c'est justement, ça précise pas, donc un dommage collatéral, ça arrive très vite. Justement, là l'idée c'est justement de que je le capture pour éviter de. Alors, si quelqu'un pourrait amener des tranquilles, ça serait cool. Je vais voir si j'en ai dans mon coffre. Purée, l'Angelas il a la place du Pookie, génial. Oh, je suis heureux. J'ai trouvé exactement le monstre que je cherchais. C'est un temps de merde, il pleut. Oh, bonjour, petit Angelas, c'est tout mignon. Que j'aime beaucoup. Restons amis. Alors. Il est gentil, le Pookie, il a droppé des plumes. Alors, je vais regarder si... non, j'ai pas de quoi le faire dodo. Ah, et ça, tu cries, toi. De piquer.
Vous êtes où? J'arrive, je suis bientôt là. Alors que l'Angenat est ici, c'est cool, c'est vraiment bien. Je suis là. Oh, une carcasse. Oh, j'ai oublié. Non. Ah, allez. Voilà, double petit beurre. Aïe. Pardon. J'ai pas mal de plumes, c'est cool ça. Jean Jonas. Jean Jonas. Ah bah en même temps, ton cheval est complètement cou, il s'est assis sur la radiature et c'est qu'il s'est brûlé le cul. Prends qu'à toi-même. Il s'en prend qu'à lui-même ton cheval. Allez. Allez. Je tue. Ça a complètement bugué mais je tue. En tant que t'es dessus, c'est le plus important. Hein. Dans tes dents. Voilà. C'était pas facile. Rien, ton chat il est con, Sora. Oh mon dieu. Et voilà. Oui, que hier, mais c'est sûr. Et ton chat est con. Je vous explique ce qui lui est arrivé à son chat. Son chat s'est assis sur le radiateur et s'est cramé le cul. Ah bah ça, quel génie. Voilà. Le chat, son chat n'est pas un génie. Après, je sais, Sora... C'est, tes pratiques ne regardent que toi, nous on juge pas.
juste le dis pas en live, c'est gênant. Ha, ha, ha. J'aime beaucoup. Alors. Nous ne sommes pas dans le jugement. Chacun est différent, il faut savoir accepter la différence. Je me demande si... J'ai rien fait. Non, t'as rien fait, mais ton chat, il a fait des choses. C'est plutôt lui qui fait des choses, son chat. Ouais, mais non, encore une fois, hein, encore une fois, je n'émets aucun jugement. Je ne fais que constater. Moi, jusqu'à la preuve du contraire, j'utilise que les informations que j'ai. C'est que la prochaine mission, c'est compléter la mission. Ah ouais. Ah, mais c'est dans le désert, perdu dans le désert depuis très longtemps. C'est un chat, il est pas adulte. Même Ratchet, il est moins con. Parle pas trop vite, hein. On dit pas con, on dit limité. Non, il est très con, mon chat. Le jour où je dirais qu'il est limité, ça veut dire qu'il aura fait des progrès, c'est-à-dire c'est pas encore pour tout de suite. Ah. Solitaire. Bah vous me direz, le premier qui veut bien de moi sur sa mission m'appelle, hein. Bah moi y'a pas la place. Puisque c'est pour juste la découverte du désert, donc c'est juste de la balade. Oui mais pour le moment t'as pas de... Allez, t'as pas de place mais ça va se débloquer. Je crois pas, parce que ça c'est que la découverte du désert, donc je crois que... Non, y'a le barotte. Parce que t'as une tête juste après. Y'a Monsieur Bambou. C'est possible. C'est possible, mademoiselle. Il est où, Clank? Il n'y a pas de Clank. Non, il n'y a pas de Clank. J'ai déjà bien assez avec un seul animal. Non! Les lapinous! Revenez, les lapinous! Arrêtez d'être con! J'ai pas eu les lapinous. J'ai pas eu les lapinous. Bah t'en auras d'autres des lapinous. Tu en auras d'autres des lapinous, Tom. Sèche tes larmes. Trop bien. Ouah, je me fais pousser par les petits vieux, c'est cool ça, swag. Mettons-nous en route. Tu sais, en fait, il pousse un chariot au début. Oui. Si tu le mets devant, en fait, il pousse naturellement le personnage. Tu sais, le personnage glisse par terre. Donc, en plus de pas tirer le chariot pour les petits vieux, c'est les petits vieux qui me poussent. Ah oui, c'est une jolie casquette. Non mais arrêtez de me pousser à côté. J'imagine qu'il doit y avoir quelque chose d'important de l'autre côté. Vise un peu la fissure qu'il a créée. Voilà ce qui arrive quand on s'en prend à un dragon ancien. Attention à ne pas tomber. On se fait chier. Oh. Wow. En tournant avec capture de gecko du désert. Et donc les petits vieux, vous mettez pas du vôtre, hein. Vous pouvez pousser plus vite. Ça c'est les vieux ça.
aucune motivation. En attendant, Scan, tu peux lancer une quête, hein. Je suis parti. Pour débloquer la nouvelle zone. Bah justement, j'étais parti faire ça. Ah. Je suis parti faire ça. Allez. J'appelle sur Articodin. Attention Articodin, il sait pas piloter. Mais Géraldine a tendance toujours à se foutre dans la merde, hein. Bah, disons que franchement, on me demande comment elle a atteint l'âge adulte plus sa capacité d'instinct de survie. C'est trop... Ah ouais, c'est trop beau. Ouais, t'as Articodin qui arrive, mais c'est pas grave. Excusez-moi. J'ai pas beaucoup d'or. Du miel. Du miel et les abeilles. C'est la blague, c'est parce que j'ai un coffret derrière les garçons juste à côté de moi, c'est pour ça. Le Valputrine. Oh oui, on va pouvoir aller pêcher. Bah non. Bah non. Pas encore. Bah non, on peut pas aller pêcher. Ah, j'entends une Ratiane. Un Ratan. Oui, c'est une Ratiane. Oui, c'est une Ratiane. C'est madame. C'est mes mères. Oh là là. Que votre corne est longue et votre manteau, madame. Elle est cocu, pour ça. Vous avez de la moustache. Enfin, une barbichette, en tout cas. Mais on la défonce. Arrête d'être con, là. Commencez à fuir, mais vous êtes mongol. C'est une Ratiane, c'est facile. Arrêtez. Oh là là, ça fuit quoi. Les petits vieux qui fuient. Bah la Ratiane, elle se laisse pas faire, hein. Aïe. C'était douloureux ça. Organiser une expédition dans le plateau de corail me semble être une bonne idée. La madame avait que j'aille explorer le plateau de corail. Ah bah donc. Ah là, elle fuit. Allez, salut Josiane. Voilà, maintenant que je t'ai déraillé, on peut se barrer. Écoute, une Ratiane. Elle fait peur. C'est ça, une c'est Ratiane. Hein. C'est parce qu'elle est verte, ça, c'est son raciste. Les Barros. On n'y arriverait jamais. Ah, c'est exactement ce que j'allais dire. On se fait tellement chier. Ah non. Gardez le fragment, comme ça.
c'est un Diablos là? Non, c'est marrant ça. Ah, c'est bien, des fois ils disent les vrais noms Jap. Comme Barros, le nom Jap c'est Barbaros. Oh, Stache Kodak. C'est bon, vous pouvez venir si vous avez envie, mais je pense que vous êtes déjà en mission. Yes, j'arrive. J'arrive aussi. Avec un petit peu de chance, je peux réussir à même péter la tête du barotte pour pouvoir la dépecer. Alors que la Ratienne revient. Organiser une expédition dans le plateau de Corail me semble être une bonne idée. Allez là, Ratienne, défonce-lui la gueule! À coup de pelle! J'arrive à la rescousse! Pour le moment, j'ai pas pris de dégâts, hein, mais bon, si, maintenant j'ai pris un dégât par la Ratienne, mais c'est tout, quoi. Viens, viens! Je cours! Au plus vite possible! Non! Ah mais oui, ça, je me suis gouré. On peut pas monter là-dessus à cause du truc à la con. Ouais, je monte sur la Ratienne. Parce que moi je préfère tuer les Ratiennes que les Barros, bizarrement. Puisque c'est le prochain stuff que je veux. Ah bah tiens. Ah, reviens ici. Elle est énervée. T'es mangé quoi? Couru derrière. Ouais. Comment? Qu'est-ce qui t'a tué? Bah, la Ratienne. Ah. J'étais en train de vous rejoindre et après. Voilà. On s'en fout. Je préfère crever, ça va plus vite. Je voulais rentrer les camps. Par contre, pour détruire les camps de Kelpie, j'avais ma technique avec la GS, mais avec les... Yeah.
Je vais te donner un petit boost d'endurance, Tom. Mais toi, tu l'as déjà tout cassé. Mais pourtant, je vais pas péter la tête encore, hein. Mais il est déjà tout cassé. Taïo. Boum. Ah! C'est bon, je crois que je lui ai cassé la tête. C'était pas facile. Mais si. Ouais, mais maintenant, ce qui va être le plus dur à trouver, c'est le morceau de sa tête qui est tombé. Bah, elle est juste là. Ah non, c'est sa queue. Ah, elle est ici. Le scalp du Barot. Ouais. Putain, c'est un limite, c'est un look que tout le monde a en même temps. De quoi? Le scalp. Pas réussir à le casser, hein, mais... Hop. Oh, ça me revient. Reviens vite. Donc il faut que je ramène une poche d'eau. Ok. Pomme, il est fatigué. Ça bosse dur. Bonne chance.
partir faire un petit travail. J'ai l'impression. Avant d'y aller. Écoute-moi. Que l'étoile de Saphir soit avec toi. Bah, on peut continuer à cogner des méchants, hein, Scam. Un peu. Un peu, un peu. Je voulais voir quoi. Je pense que je vais m'arrêter là, je fais une pause. Même si j'avance. Enfin, je pense que j'avancerai ce soir, je pense. Enfin, ce soir. Pas de soucis. Pas de soucis, Tom. C'est un petit mal de crâne en plus. Ça commence à arriver. C'est les ambiances. Donc je vous fais. Des bisous, Tom. Bonne sieste, repose-toi bien. On va essayer. Passe une bonne après-midi. Bon après-midi, ouais. Moi aussi. Et bon après-midi. Zoubi. Taisez-vous. Bon. Plateau de corail. Bon alors.